Bonjour à tous. Nous allons visualiser une manière d'effectuer plusieurs types d'opérations standards sur la fraiseuse CNC 3 axes Smart Bench du fabricant anglais Yeti Tool à l'aide du logiciel gratuit Fusion 360. Nous allons réaliser un panneau signalétique d'environ 60 par 90 cm comportant des poches, des lettrages et des gravures et qui sera également détouré par la même machine. Enfin, je vous offrirai un aperçu des capacités de la machine en termes de sculpture. Tout d'abord, dessinons la pièce. A l'aide d'esquisses cotées et de la fonction extrusion, je crée un modèle 3D de mon panneau brut, ici du contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Fusion intègre un outil de texte qui permet d'esquisser des textes avec la taille et la police de votre choix. Une fois mon texte obtenu, j'opère une extrusion soustractive pour en faire des poches de 2 mm de profondeur. Il est également possible d'importer des tracés dans Fusion. Je souhaite usiner ici des pictogrammes. Dans cet exemple, je convertis au format DXF des images trouvées sur le net à l'aide d'un convertisseur en ligne. Enfin, j'importe le DXF dans une esquisse, l'oriente et le dimensionne. De la même manière, une extrusion soustractive me permet d'obtenir des poches comme pour les lettrages. J'importe de la même manière deux autres tracés qui deviendront des gravures. Je n'ai pas besoin de les représenter en 3D. Enfin, je dessine et cote le contour du panneau avec l'outil esquisse et je le détourne avec une extrusion soustractive. Voilà, notre modèle 3D est prêt. Nous allons passer du module de conception au module de fabrication. Je crée une nouvelle configuration dans laquelle j'indique l'orientation du travail et la position du point d'origine. Je peux maintenant générer des opérations de coupe. Commençons par l'évidage des lettrages et du pictogramme. Je sélectionne l'opération usinage adaptatif 2D. Je commence par indiquer quel outil sera utilisé, ici une fraise de 8 mm à bout plat. Fusion dispose d'une large bibliothèque d'outils pré-enregistrés. Il est aussi possible de créer votre propre bibliothèque d'outils. Je renseigne également les vitesses de coupe. Les paramètres principaux sont la vitesse de rotation et la vitesse d'avance, et dépendent principalement du matériau, de l'outil et du type d'opération. Je me réfère aux indications du constructeur en me rendant sur leur site yetitool.com. Ici, le tableau m'indique, pour un outil de 8 mm dans du contreplaqué, une vitesse de broche de 22 000 tours par minute et une vitesse d'avance de 3000 mm par minute. Avec cette fraise de 8, je peux me permettre des passes de 4 mm maximum. Ici, mes poches font 2 mm de profondeur et seront usinées en une passe, plus une passe de finition. Une fois le chemin d'outils généré, je peux lancer une simulation pour le visualiser et le vérifier. Je passe aux gravures, qui seront réalisées avec une fraise en V à 90 degrés. Je renseigne mes vitesses, sélectionne mes tracés et indique ma profondeur de coupe, ici 0,5 mm. Enfin, je paramètre la découpe finale, qui se fera avec la même fraise de 8 précédemment évoquée. Dans cette configuration, l'outil est noyé dans la matière. Je baisse alors la profondeur de passe à 3 mm et la vitesse d'avance à 1500 mm par minute. Le panneau sera découpé en 4 passes, en laissant régulièrement des onglets pour maintenir la pièce pendant la coupe. La fraise traversera le panneau. Nous utilisons donc un martyr. Une fois mes opérations générées, je dois les exporter dans un fichier de commande que le Smart Bench exécutera. Je les exporte en les regroupant par outils. Premièrement, la gravure avec la fraise en V, ensuite les poches et la découpe avec la fraise de 8. J'exporte, renomme et enregistre mes deux fichiers. Il est temps maintenant de se tourner vers la machine. La console du Smart Bench est connectée au réseau Wi-Fi de mon atelier. Grâce à l'outil Smart Transfer, je peux facilement transférer mes fichiers à la machine. Ça y est, c'est dans la boîte. Il est aussi possible de transférer les fichiers dans une clé USB et brancher celle-ci sur le port de la console de commande. Je vais maintenant me mettre en place pour usiner. Je recommande le port de protection individuelle sur ce genre de machine, gants, lunettes et bouchons d'oreille. J'ai branché sur la machine un aspirateur industriel du commerce en guise d'extraction. Un modèle plus efficace est proposé en option avec le Smart Bench. Je commence par fixer le brut et le martyr sur la table. En fonction des matériaux et opérations, il est possible d'utiliser des serre-joints, des vis ou de l'adhésif double face pour brider le travail. J'utiliserai ici des vis en m'assurant qu'elles n'interfèrent pas avec la zone de coupe. Je mets le Smart Bench sous tension, puis viens poser et verrouiller le portique sur le brut.
Des roulettes sur l'axe X de la machine prennent en sandwich le brut et le martyr, améliorant ainsi le guidage et la précision. Je démonte la broche pour installer la fraise en V pour les gravures. A l'aide du laser, je définis le point d'origine dans le plan de la table, puis, grâce à la plaque de détection, la machine règle automatiquement le point zéro de l'axe Z, qui sera, ici, la surface supérieure du brut. Je charge le fichier. La console propose de l'analyser à la recherche d'éventuelles erreurs. Tout est OK. Je m'assure que la zone de travail est libre et je lance. C'est parti. L'extraction peut, comme ici, être alimentée et commandée automatiquement par le Smart Bench. Nous remarquerons qu'il est possible d'ajuster en temps réel la vitesse de rotation et la vitesse d'avance pour atteindre des résultats optimaux. La gravure est terminée. Je vais procéder au changement d'outil. Je monte la fraise de 8 et recalibre l'axe Z. Je ne touche pas au point d'origine dans le plan de la table qui reste le même pour ces opérations. Et c'est reparti. Sur cette version, une jauge permet à l'opérateur de surveiller la surcharge de la broche. Voilà le résultat. Bien que le contreplaqué peut être capricieux, on retrouve un bel état de surface au fond et sur le bord des poches. Un ébavurage sera nécessaire pour la finition de la surface supérieure. Voilà! Petit bonus, la sculpture d'un bas-relief. Je ne passerai pas en détail sur la partie logicielle, un peu plus lourde dans ce cas. J'utilise une fraise conique à bout rond avec un arbre de 4 mm. Je change le collet sur la broche car les précédentes fraises avaient un arbre de 8 mm. Il est possible de monter des outils ayant un arbre de 1 à 10 mm sur la broche du Smart Bench en disposant des collets adaptés. Je refais mon point zéro et c'est parti. Je vous laisse observer le résultat. Merci pour votre attention, je vous retrouve juste après en direct pour vos questions.